D'un autre côté, j'ai vu agir le commandant du paty de Clam, l'enquêteur militaire. C'est un forcené, monsieur Blum. Un fou véritable. Son dossier était vide. Je le sais bien. Qu'allez-vous faire ? J'ai préparé une brochure analysant toutes les insuffisances, toutes les contradictions de l'enquête. Mais la famille Dreyfus n'est pas encore décidée à la faire publier. Si je peux me permettre un conseil, Lazare. Je connais votre fougue de polémiste. N'en faites pas une affaire d'antisémitisme. La communauté juive française n'éprouve pas le besoin de se distinguer de l'ensemble de la communauté nationale. En conséquence, monsieur le président, je dépose la motion suivante. Le gouvernement doit prendre toutes les mesures législatives afin de faire refluer les Juifs vers le centre de la France. La trahison, messieurs, ne sera moins dangereuse. Au nom des députés socialistes, je tiens à m'élever contre cet antisémitisme forcené, héritier de 1800 ans de persécutions imbéciles. À la religion, l'antisémitisme emprunte l'esprit de fanatisme et d'intolérance. Et à la majorité conservatrice et capitaliste, il offre l'idée de l'envie et de la peur. Entrez. Mon colonel, un clé urgent du cabinet du ministre. Merci, François. Spécimen d'écriture commandant Esterhazy, etc. Je connais cette écriture. Non. Yes. Sont les mêmes. Et entrez. Alors, mon colonel, que dit l'expert ? Bertillon. Le célèbre Bertillon est fou. Il a reconnu formellement, sans hésiter, l'écriture du bordereau Dreyfus. Alors, pourquoi est-il fou ? C'est bien ce que vous espériez, n'est-ce pas ? Je n'espère rien, commandant. Je m'en tiens au fait. Je lui ai demandé si c'était une écriture récente. Et il m'a répondu, alors c'est que les Juifs ont exercé quelqu'un à imiter celle de Dreyfus depuis un an. Voilà pourquoi il est fou. Apportez-moi le petit dossier qui a été communiqué au juge de Dreyfus et qui se trouve dans votre coffre, Henri.
Ah non, ce n'est pas possible. Pourquoi? C'est un ordre. Ce dossier aurait dû être détruit. Il ne l'a pas été, n'est-ce pas? C'est moi qui dirige ce service. Apportez-moi ce dossier, commandant. Vous savez, il n'y a pas grand-chose dans ce dossier. Assez pour convaincre les juges du tribunal militaire. Non? Je me le demande, mon colonel. Je conclus, mon général. Premièrement, la culpabilité d'Esterhazy est démontrée. Deuxièmement, le bordereau est de sa main, pas de celle de Dreyfus. Ce qui pose un problème particulier. D'autant plus particulier que le dossier secret conservé par le commandant Henri est nul, vide. Aucune preuve. Le dossier? Pourquoi n'a-t-il pas été brûlé? C'était convenu ainsi? Je l'ignore, je n'étais pas encore à la tête du service, mais ce dossier n'a aucune valeur. C'est le néant juridique. Alors on se serait trompé? Il y a deux affaires, colonel. L'affaire Dreyfus et l'affaire Esterhazy. Il faut les séparer absolument. Mais comment? C'est impossible. Le bordereau est de la main d'Esterhazy. Oubliez le bordereau, colonel. Instruisez l'affaire Esterhazy. Le dossier Dreyfus reste clos. Mais c'est impossible, mon général. Esterhazy est un traître, un espion. Ce n'est pas la preuve. Pour l'instant, c'est un officier de l'armée française. Mais un innocent est condamné à sa place. Qu'est-ce que ça peut vous faire que ce juif reste à l'île du diable? Mais puisqu'il est innocent... Innocent! Ce sont des considérations qui n'entrent pas en ligne de compte. La seule considération qui m'intéresse, c'est l'innocence de Dreyfus. Innocence? Si vous ne dites rien, personne ne le saura. Je ne sais pas ce que je ferai. Mais je vous préviens. Je ne garderai pas ce secret pour moi. Vous emporterez ce secret. Tous les secrets. Ou bien vous serez brisé. Exilé. Comme Dreyfus. Monsieur le Président de la République. Je me permets de vous demander que ce journal, écrit au jour le jour, soit remis à ma femme. On y trouvera peut-être, monsieur le président, des cris de colère, d'épouvante, contre la condamnation la plus effroyable qui ait jamais frappé un être humain. Et un être humain qui n'a jamais forfait à l'honneur. Je ne récrimine aujourd'hui contre personne. Chacun a certainement cru agir dans la plénitude de ses droits et de sa conscience. Mais je ne demande toujours qu'une chose, toujours la même, la recherche du véritable coupable. Car je vous le répète une fois de plus, monsieur le président, je suis innocent. Je suis innocent. Non.
Dès que vous serez à Gavès, vous remettrez ce pli au commandant du premier bateau en partance pour la France. Je compte sur vous, c'est très urgent. À vos ordres, mon colonel. Cette fois-ci, c'est la guerre. Il va falloir s'occuper sérieusement de Picard. Voici la note qu'il m'adresse de Tunisie. Commandant Henri, que l'on dise aux gens que j'ai été relevé de mes fonctions ou que je n'occupe plus mes fonctions, je n'ai aucune raison d'en rougir. Ce qui me fait rougir, ce sont les mensonges et les mystères auxquels ma situation aurait donné lieu depuis 6 mois. Il est vrai que le ministre aurait dû rendre officiel son renvoi de la section et vous nommer à sa place. Le ministre fait de la politique. Il veut éviter les interpellations parlementaires, les campagnes de presse, et pendant ce temps, la Picard complote avec les syndicats juifs. Quel est leur objectif, en vérité? Dreyfus. Toujours Dreyfus. Ils veulent mettre un faux coupable, le commandant Esterhazy, à la place de ce traître juif. Mais c'est impossible, voyons, puisque l'affaire est jugée. Rien n'est impossible quand on manie les milliards. Non. Il faut réagir. Il faut frapper Picard. C'est lui, notre ennemi principal. D'ailleurs, à l'état-major, ils font la même analyse que moi. Mon commandant, nous avons fait surveiller les déplacements de Picard. Voici le compte-rendu de ses faits et gestes. Il prépare quelque chose, j'en suis convaincu. Picard sait désormais qu'il ne retrouvera pas son poste à la section de statistiques. Que peut-il faire, mon commandant? Il est tenu par le secret militaire. Il a déjà violé Griplin. Et puis, il n'est pas seul. Ne sous-estimez pas les pouvoirs du syndicat juif. Le mieux serait qu'il se fasse tuer dans une opération coloniale quelconque. Mieux encore, que pris de remords, il finisse par se suicider. Nous avons un triple objectif. Premièrement, rassurer le ministre. Le convaincre qu'il n'y a pas à changer de stratégie. Nous ne reviendrons pas sur la chose jugée. Nous ne permettrons pas que le syndicat des intérêts juifs accable un innocent pour sauver un coupable. À propos, quel genre d'homme est-il, ce commandant Esterhazy? C'est un officier à panache, un peu fantasque. Un brave garçon. Un brave, tout court. Il faut donc continuer d'étoffer le dossier secret de Dreyfus. Accumuler les preuves et les indices de culpabilité. Chercher des pièces nouvelles accablantes. Deuxième objectif. Réduire Picard. Le neutraliser, l'empêcher de nuire. Il était ici même il y a 1 an. Sourd à tout argument, à toute suggestion. Plein d'arrogance. Nous l'avons éloigné, mais ça ne suffira pas. Il est passé à l'ennemi, désormais. Troisième objectif, il faut contrôler Esterhazy. L'empêcher d'accomplir des actions inconsidérées sous le coup de l'émotion. Lui venir en aide, donc. Mais avec discrétion, tact et fermeté. À vous de jouer, commandant. Vous êtes l'homme des situations exceptionnelles. Merci, mon général.